Oui, bien sûr, j'ai vu le match en tant que capitaine de l'équipe de France. Je me devais de voir ce match. Voilà, déjà, j'ai loupé le match. J'ai loupé le match contre Israël. J'ai loupé le déplacement. J'ai tout loupé. J'ai évité de venir en sélection. J'ai été à Stockholm en boîte. J'ai loupé pas mal de choses qu'un capitaine doit faire. Donc voilà, la moindre des choses, c'est de soutenir un petit peu le match. Je regardais un peu le match. Donc voilà, j'ai regardé. J'ai fait une story. Je l'ai dit. Je l'ai écrit. Je l'ai mentionné. Mais voilà, je suis content, on a encore frappé la Belgique. Voilà, j'aime beaucoup les Belges, ce sont des gens sympathiques, ils croient toujours nous battre, mais à la fin ils perdent. Ce sont des gens sympas, je suis très fier, très heureux de l'équipe. Il n'y a rien eu de parfait ou d'exceptionnel, mais voilà, l'important c'est de gagner, il faut savoir aussi gagner ces matchs. Ces genres de matchs ne sont pas simples, c'est des matchs où nous ne sommes pas à un niveau stratosphérique, il n'y a pas de grande fulgurance, mais voilà, on gagne quand même, on maintient une constance dans la victoire et ça permet d'avoir une confiance et de continuer à gagner. Donc je suis très content, très fier de mes amis. Voilà, je leur ai tous envoyé des messages, je les ai félicités et voilà, j'ai hâte de les retrouver. Mais je pense que ça sera pour des matchs de Coupe du Monde ou des gros matchs de grosses compétitions. Je ne joue pas pour de la gnognotte, je ne suis pas n'importe qui. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Là, je vais voir si les boîtes sont encore ouvertes. Voilà, je vais aller peut-être faire un petit tour et puis après, on va revenir au professionnalisme. Voilà, je dois jouer, je suis quand même un footballeur, je dois montrer qui je suis. C'est vrai que pour l'instant, depuis le début de l'année, il y a pas mal de doutes sur moi, sur mon niveau, sur ma motivation, sur mes intentions footballistiques. Et voilà, il faut que je remette les pendules à l'heure très très vite.